Je viens d'avoir Paris au téléphone. Il nous envoie un colis très spécial. Et paf ! À votre service. Vous avez des taxis dans la police ? Non, celui-là est plutôt rattaché à l'armée de l'air. Donc là, du coup, je vais attaquer un nouveau pare-choc pour un abonné. Je vais faire un moule directement. Donc là, je pense avec de la pâte à sel. Le truc qu'on faisait en primaire, tu sais. Donc je pense que je vais faire un moule à base de pâte à sel. Puis après, je vais refaire le même moule en fibre résine. C'est juste histoire d'avoir une base au début. Pour pas abîmer surtout la peinture du pare-choc. Du coup, après avoir bien réfléchi pour le moule, je savais pas comment faire ma base. Et finalement, j'en ai une petite idée. Je crois qu'on va faire ça plutôt avec soit du plâtre, ou alors du MAP, ça fait pareil. Et donc pour pas abîmer la carrosserie, on va utiliser du cellophane tout simplement. Donc je vais recouvrir de cellophane partout. J'ai fait un saut de plâtre, donc c'est parti. On n'a plus qu'à étaler tout ça. Donc je l'ai fait assez consistant, comme ça c'est épais. Et je l'ai malaxé assez longtemps, il va durcir rapidement. Ce que je vais faire, je vais l'étaler un peu comme ça partout, que ça prenne bien la forme. Et voilà, et dire j'ai enduit au MAP le pare-choc du taxi. Mais arrête. Moi c'est pareil, je vais prendre du coup un gabarit, je vais découper l'aileron. Plus la vague qui est juste ici. C'est de toute bonté comme ça. Oh bah je préfère le taxi comme ça. Hein. Et voilà, avec un bout de carton, c'est nickel. Maintenant je vais refaire le même sur une planche métallique que je vais redécouper, comme ça sera un gabarit qui ne bougera jamais. Et maintenant, on va prendre la cote de la forme arrondie. Il n'y a plus qu'à refaire ça aussi en métal. Et sans oublier le gabarit de la boîte à gants. Donc là, j'ai fait ça avec un bout de papier carton. Maintenant, on va refaire pareil avec du PVC. Et je vais recommander sur Internet tout ce qu'il faut en boutons, les mêmes lumières, les mêmes manos, tout pareil. Comme ça, je vais pouvoir en faire d'autres après. Et voilà, j'ai fait tous mes gabarits en métal. Au moins, il ne faut pas les abîmer ni les perdre. Les deux moules sont terminés, on va laisser sécher. En attendant, je suis en train de découper des nouvelles tablettes de boîte à gants pour pouvoir mettre tous les boutons taxi et les manos. Donc là, je vais en faire du coup 4 sur cette planche-là. Et voilà, déjà avec tout ça, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti pour le pare-choc taxi. Donc là, je vais prendre la base, je vais la refoutre en dessous mon pare-choc d'origine du taxi. Je vais directement les bonnes dimensions. Ensuite on va redécouper avec mes moules, on va les remettre sur les côtés, on va remplir de mousse. C'est ce qui va faire la lame à l'avant, donc il faut que je coupe ça à la meuleuse tout le long. Donc il faut vraiment que je lime à ras. Ensuite je vais lui revisser un quart de rond que je vais remodifier, mastiquer. Ici sur la base du pare-choc, donc je vais démonter ça, ça on n'a pas besoin, ça aussi. Les anti-brouillards, il faut que je leur passe un trou de cycloche pour faire la prise d'air en bas. J'ai commandé ça sur AliExpress, donc ça c'est un kit que je conseille qui coûte vraiment vraiment pas cher. Je vous montre les petites photos juste après. Donc voilà, vous avez vu les photos. Donc il y a un petit fer à souder à embout plat. Donc voilà, pour le prix qui coûte, franchement ça vaut le coup. Des baguettes en PVC, là ça sert à faire fondre et redonner de la matière,
et le petit grillage qu'on met en fait sur le pare-choc. Donc ça en fait c'est bien pour réparer un pare-choc qui est par exemple percé ou troué. Moi le mien j'en ai pas besoin. En tout cas c'est un kit qui coûte pas cher et c'est vraiment génial. Vraiment si vous avez un trou ici, vous mettez ça par-dessus. Bien sûr il faudra découper la taille que vous voulez. Vous le faites chauffer avec l'embout plat. Ça va rentrer dans le plastique et ensuite vous leur mettez de la matière. Voilà, donc réparation de pare-choc pour pas cher sur AliExpress. Et ça franchement c'est top. Donc voilà ce que ça va donner. Après ma suie carpensée nickel. Du coup les anti-brouillards ils sont là. On va faire un petit cycloche pile poil au même endroit. Donc il faut qu'on démonte aussi la calandre, je vais la reprendre en noir. Et on pompe ce pare-choc entièrement dégraissé à l'acétone. Voilà, ça c'est fait. Plus qu'à reponcer un petit coup et après peinture. Bon, la lame est prête, poncée, mastiquée. Donc là, on n'a plus qu'à la passer en peinture. Les accessoires aussi, donc ça, ce sont les plastiques noirs. Bon, il n'y a pas les baguettes chrome, mais je vais quand même les repeindre en noir brillant. Et la calandre aussi, je vais la poncer et la revernir pour qu'elle fasse noir brillant. Ça sera beaucoup plus joli. Lui, je suis en train de le poncer partout avec du 220. Les anti-brouillards sont prêts. Donc là, il ne reste plus qu'à faire une boule de mousse polyuréthane derrière qu'on va retravailler demain en creusant. Et après, fibre résine. Mes deux moules sont prêts, ils sont secs. Mousse polyuréthane mis derrière les anti-brouillards. On va attendre que ça sèche tranquillement. Et après, on va sculpter tout ça. Voilà, les baguettes sans vernis en noir. Ça fait beaucoup plus propre comme ça. Quand j'hésitais à mettre du noir brillant, mais du coup, j'ai juste verni. De toute façon, le propriétaire, il va pas garder ces plastiques-là. Il va remettre celle avec les chromes, bien évidemment, pour faire comme dans Taxi. Oh, quelle jolie coque. Mais c'est quoi, ça? Oui, parce qu'en fait, du coup, je fais tout ce pare-choc-là pour un abonné. Donc pareil, s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Le pare-choc est poncé entièrement. Donc là, je vais tout dégraisser avec de l'acétone. Et je vais faire un tout petit peu de mastic de finition. Partout, il y a des micro-imperfections. C'est vraiment pas grand-chose. Limite, ça sera pas vu avec du primaire. Mais je préfère mettre des micro-gouttes de mastic. Comme ça, ça sera parfait. Et je me tâte même à lui mettre des faux lave-phares, vu qu'il n'a pas le pare-choc. Je vais voir avec le propriétaire s'il veut que je lui mette ou pas. Plus qu'à couper la planche. Elle est calée. On trace. Voilà, j'ai enlevé les films de protection qui sont juste là. Attention à bien respecter la forme avec la petite vague qui va remonter ici dans le milieu. Là, on le place comme il faut, sachant que je le relève dans le milieu, très important. Et après, on va mettre la mousse polyuréthane ici et là-bas. Et voilà, c'est calé. Première couche de mousse mise. Là, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche et après, on va retailler tout ça. Bon, allez, c'est reparti. Là, il est 8h. Je pense que ce soir, ça aura bien avancé. Et ça déjà. J'utilise toujours de la mousse qui coûte cher, de la mousse professionnelle. Ce qui est bien, c'est qu'elle est très dure. Pas que ça soit une mousse où t'appuies dessus, ça s'enfonce. Voilà, j'ai fait un dégrossier avec la mousse. J'en ai remis un peu parce que bien sûr la mousse ça creuse. Là j'ai mis mes moules par rapport à mon pare-choc. Fait avec du mat. Qui attend que ça sèche. Donc là évidemment j'ai mis de l'huile moteur pour pas que ça colle. Puis là je viens de leur découper un gabarit, comme ça la prochaine fois ça va être encore plus rapide pour faire des pare-chocs. Parce qu'en fait le plus long c'est l'implantation, donc tracer nickel, prendre les dimensions pile poil. Là maintenant que j'ai un gabarit en dur, c'est parfait. Bon allez, 10h, santé. Petit aileron de taxi. Fait en inox. De toute beauté. Donc avec un gros renfort à l'intérieur. Donc là les prochains c'est pareil, je vais essayer encore d'améliorer tout ça. On va essayer de les faire en alu, à voir. Après l'inox c'est le top. Comme d'habitude, je signe toujours mes créations. Hop, ça sera fait tout de suite comme ça, avant que j'oublie. Pareil pour les intéressés, je peux aussi refaire le kit Nos Ricard. S'il y en a qui veulent ça dans leur taxi. Impeccable avec mon petit moule, j'ai déjà la forme de base. Plus qu'à retailler ça propre, nickel.
Là, j'ai recalfeutré de la mousse partout, il y a des creux. C'est le souci de la mousse en fait, ça gonfle, ça fait des creux, donc faut faire que ça, couper, attendre que ça gonfle. Une fois qu'on a une bonne base, puis moi j'utilise que de la mousse de qualité, donc elle coûte cher, mais elle est très très dure à écraser. Ça a bien gonflé, maintenant il n'y a plus qu'à entailler tout ça. Ça va être le plus chiant et le plus long à faire la forme pile poil de chaque côté, pareil. Je vous montre le avant et le après une fois taillé. Voilà, une fois tout entaillé nickel. Plus qu'à faire de la fibre résine. Maintenant je vais devoir entailler trois rectangles ici. Donc j'ai intérêt à faire ça vraiment pile poil au millimètre près. Même ça c'était vraiment, faut avoir des yeux de chat pour faire ça. Franchement il faut que ça soit la même cote qui remonte pareil que l'autre côté. La même épaisseur de mousse tout le long. Et croyez-moi, couper dans la mousse c'est pas facile. Après avoir découpé les trois rectangles, je vais mettre de la colle PU, intégrer des rails à placo dedans. Là j'ai un tout petit bout de chute de rail qui est juste ici. Ça serait pas un vrai pare-choc taxi sans un rail ou deux et quelques vis à placo. Donc là avec cette petite chute là je vais la couper en 3. Donc c'est un rail de 38. Il est tout petit. Bon voilà, le moment le plus délicat c'est fait. Donc là tout est découpé au millimètre près. Donc vraiment faut être manuel et minutieux. Surtout parce que c'est très fragile de la mousse quand même. Donc là faut y aller délicatement. Mais bon après avec la fibrésine, vous inquiétez pas, ça bougera pas. Ça sera même du ultra costaud parce que je mets double couche de fibrésine. Plus à l'intérieur du coup des rails à placo. Et ça renforce. Collé à la cica, dégraissé à l'acétone. Voilà, pour la quatrième fois on remet de la mousse. Partout il y avait des micro trous pour que ce soit un bloc de mousse vraiment compact. Là il y a plusieurs marques différentes qu'on aperçoit à plusieurs couleurs. Mais là c'est très solide déjà juste avec de la mousse. Il me reste plus qu'à retailler ça. Et après fibre résine. Pour avoir une belle forme parfaite. Donc là j'ai créé une petite pente comme ça. C'est parti pour la fibre résine. Donc on prend des pinceaux, des bords, très important. Faire les mélanges avec le durcisseur. Et on va couper plein de petits bouts de fibres. Et on va croiser deux couches. Donc là tout est découpé. C'est la partie la plus chiante. Prendre toutes les cotes, tout préparer. Il n'y a plus qu'à faire la colle. Première couche de résine, demain deuxième couche, plus après une troisième couche de résine liquide. Donc là pour la boîte à gants, un petit peu d'acétone partout, ensuite on va foncer avec du fin et après peinture blanche. Si c'est un petit peu abîmé, ça ne plaît pas. Bon, ça sera parfait. Ensuite on trace partout au millimètre près et on perce. Et après on installe des boutons. Donc là il y a ce qu'il faut en bouton 1. Donc ce sont des boutons très particuliers, c'est très dur à trouver. Encore, j'ai pas tout là. J'en ai commandé sur internet parce que ça ne se trouve pas en magasin. Mineur, ça coûte un billet pour faire ça. Et chaque pièce est facile, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et ça en fait un paquet quand même. Et voilà, encore plus rapide qu'à l'usine. Le petit détail du rond noir qui est juste en bas. Bon, bah, le pare-choc prend forme. Ben, ça fait maintenant 2 jours qu'on est dessus. L'aileron, il est prêt là-bas. Plus qu'à passer en peinture. Donc là, je vais pas tout vous montrer en détail vu que j'ai déjà fait dans une autre vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne où je montre comment j'ai fabriqué mon taxi de A à Z. Donc là, je vais juste montrer quelques petites étapes de l'avancement. Donc là, une fois la résine sec avec les deux couches, maintenant il reste plus qu'à poncer au gros grain. Donc là, je vais utiliser du 80. Voilà. On va enduire de mastic, on va faire un dégrossi que je vais tout redécaper à la ponceuse. Et pour terminer, on collera le pare-choc avec de la cica pile poil au millimètre près par-dessus. Et on pourra faire les triangles et la lame devant. Je me suis fait un petit plateau avec une chute, impeccable comme ça. Durcisseur. J'en mets toujours un peu plus. C'est parti. Donc là, ça va être surtout à l'œil. Là, c'est la ponceuse qui fera le reste. J'ai fait un premier dégrossi partout. Je vous montre un peu. Et après, on reponce tout ça. Et là, maintenant, pour avoir une finition parfaite à l'intérieur, je veux dire, faut pas compter les heures.
c'est du travail de précision. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de carrosserie de ma vie, hein. C'est pas du tout mon métier. Deuxième couche de mastic. Et on reprend cette fois-ci avec du fin. Là, ça prend forme. C'est bien lisse, nickel. Il y a encore des petites imperfections. Donc la troisième couche de mastic, vraiment juste où il y a des petits trous. Et après, cette dernière couche de mastic, comme là, juste où il y a des petits creux, ça va être primaire d'accroche. C'est un primaire au pétard de professionnel. Et je vais faire exprès de mettre moins de 10 blancs de peinture et de le faire assez épais. Ça va boucher toutes les imperfections. Et après, on va reponcer encore. Donc c'est vrai que c'est assez chiant comme boulot. Et assez long surtout. En fond, bien sûr. Première couche, on refonce tout ça. Là on en est là, tout est vissé à l'intérieur, donc il y a une partout des vis. Déjà ça peut pas bouger. Plus un gros mastic de fils de qui colle de ouf. Extérieur, donc là j'ai remastiqué un peu autour propre. Là j'ai fini là. Joint de Sika lissé à l'acétone. Nickel. On va expliquer à mettre un peu de mastic là et ici. Et ça sera parfait. Là ça commence vraiment à prendre forme. Donc tout est collé au pare-choc. Donc là on aperçoit bien la petite pente, la remontée est ici, donc j'ai même fait encore plus épaisse que mon taxi. Les anti-brouillards sont carrément collés à la Sika. Donc ce sont des vraies prises d'aération. Plus qu'à attendre que ça sèche, je remets un coup de primaire d'accroche et après j'attaque les pointes sur les côtés. C'est trop fin. Alors ce que je vais faire, j'en ai coupé 4 et j'en ai collé 2 ensemble avec de la super glue de ouf. Je vais poncer ça avec du gros grain et puis je vais les chouiller entre eux. Ça, ça ne pourra pas bouger. Et du coup, niveau esthétique, ça sera parfait. Ça sera épais, ça fait 1,5 cm. Bon, bah, je dis que c'est pas mal pour aujourd'hui. Demain, ça va être peinture au pétard directement. Donc là, c'était collé à la glue, poncé et on va remeuler propre tout autour. Et du coup, niveau épaisseur, c'est parfait. Et voilà, ça avance, ça prend forme. Donc là maintenant, je viens de coller une baguette arrondie ici, un quart de rond, que j'ai percé, revissé en plus, pour pas que ça bouge avec les vibrations. Maintenant on va faire le joint nickel ici, et après un petit coup de finition de mastic propre, et ça passe en peinture. Et voilà, nouveau kit terminé de ma peinture blanche. Les gabarits en carton,
côté repeint. Bon, j'ai essayé de mettre ça sur l'Audi, ça le fait pas. Il m'a juste à faire quelques petits détails et ça sera nickel. Voilà le résultat. Donc là, il me reste juste à repeindre à l'intérieur des petites cases pour faire un fond noir. Ce sera plus sympa. Comme j'ai fait sur mon taxi. Et pour aller jusqu'au bout du détail, il faudra lui remettre des petits caches Lafare par-dessus. Bon, ce ne sera pas des vrais. Moi, sur mon taxi, c'est des vrais. Mais bon, au moins, il y aura l'aspect. Et il me reste à lui remonter aussi sa calandre qui a été repeinte en noir et ses baguettes noires qui vont ici. Mais bon, comme elles n'ont pas les chromes, je vais attendre avant de les mettre. Et son futur propriétaire, il va choisir s'il veut celle-là ou celle avec les chromes. Là, je suis en train de refaire le détail, l'intérieur en noir, dans les creux du pare-choc. Je fais ça à la bombe de peinture. Et voilà, un nouveau kit terminé. Je connais un abonné qui va être heureux d'installer ça sur sa 406. Un kit de plus fini, avec tous les détails de l'anti-brouillard et de la vague en dessous qui remonte. De toute beauté. La calandre installée. Tous les boutons pour faire une boîte à gants. On a tous les manos. Voilà, encore deux boîtes à gants terminées. Avec les lumières connectées, pré-câblées, les boutons aussi. Le kit gabarit. Les stickers, et maintenant je fais même aussi les logos du volant plastifié.